La Nouvelle Alliance, c'était au fond un peu un. Oui, c'était une écriture euh, en collaboration, mais c'était pas une collaboration au sens où chacun écrit sa petite partie et puis on colle. Non! Il était assez clair que euh, c'est moi qui avais la plume et d'ailleurs ça m'arrangeait très bien. Surtout que je, je voulais que ce, que, que ce soit la voie problématique qui soit suivie et pas la voie, attention, qui était une des voies que Prigogine pouvait employer pour dramatiser. Regardez, si je ne réussis pas à démontrer que l'irréversibilité est intrinsèque, mais alors notre monde serait. etc. Non, il n'est pas. Euh, <laughs> C'est ça le pro Et donc, il ne s'agit pas de, de, de faire vibrer le lecteur au suspense qui est un suspense intérieur à la physique. Oui, s'il ne réussit pas, il, il pourra pas essayer de convaincre euh, ses, ses collègues. Mais. Ce qui, ce qui a stabilisé l'écriture de la Nouvelle Alliance, comme ça a d'ailleurs stabilisé aussi l'écriture de Entre le temps et l'éternité, que j'ai écrit avec lui et qui prend les choses sur un mode moins historique, Mais, et avec les progrès qui avaient été faits euh, euh, entre... Euh, donc c'était en, en 89, je crois. Euh, euh, entre le temps et l'éternité, donc j'avais été à Paris, j'avais, etc., et puis j'étais revenue et il m'avait engagé cette fois-là il me payait, parce que avant c'était le FNRS et puis le chômage, je lui avais jamais dit que j'étais au chômage, ou il le savait mais il s'en foutait, de toute façon du moment que j'étais là ça allait, mais là il me payait, donc ça m'arrangeait bien pour rentrer à Bruxelles. Donc dans les deux cas, il était clair que j'étais la philosophe, et... Il était le scientifique, c'était une collaboration où on s'entre-respectait. Bon, il, avait des, il y avait des choses qu'il aimait en philo, etc. Mais enfin, c'est moi qui gérais. Et les, comme l'écriture, et je gérais l'écriture, mais qu qu'est-ce qu qui se passait C'est que euh, j'écrivais un, un, un segment, enfin on s'était mis d'accord sur le plan, un segment... Et puis il barrait, et puis il, 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 il m'expliquait que ça n'allait pas, etc. Euh, et je repartais, et je, je profitais, c'était techniquement très important, du, du fait qu'il était hyper occupé tout le temps. Donc il me le disait, et puis il me confiait la chose, et il ne se souvenait plus de ce qu'il m'avait dit. Mais moi, je l'avais enregistré. Et donc, je modifiais sur un mode qui maintenait ma ligne tout en, comment dirais-je, répondant à, ses, à ma manière. quoi J'ai toujours fait ça d'ailleurs quand on me critique. J'adore les critiques parce que je sais que l'intérêt c'est d'y répondre à ma manière. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre cette habitude-là. Euh, et puis quand il lisait, il... Ça convergeait, il allait encore faire des... Mais heureusement, il avait oublié ce qu'il m'avait dit de faire. Euh, on a arrêté... Un... Et ça, la technique qui était pour beaucoup, parce qu'avec la photocopieuse, euh, quand, il notait ce qu'il voulait que je fasse. Et puis, il euh, y a un livre que j'ai arrêté pour ça. Euh, et puis, euh, il gardait ses notes et il vérifiait, il voyait évidemment que j'avais rien fait de ça. Euh, mais là, qu'est-ce que c'était? Ça, ça faisait de moi une secrétaire scientifique, ce que j'avais pas envie d'être. Et donc, notre collaboration a été mise en danger par son impatience. Il, il, il trouvait que vérifier que j'avais bien fait ce qu'il avait dit était beaucoup plus rapide que, que, que parler vraiment. Et, euh, et le, 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 la photocopieuse qui. Qu'il avait, qu avait, elle existait déjà d'ailleurs, mais enfin, qu'il avait tout à coup choisi de mettre à son service. À ce moment-là, je lui ai expliqué que le livre qu'il faisait là, le troisième livre qu'il faisait là, était vraiment trop personnel euh, et que euh, je ne me sentais pas à l'aise de co-signer ça. Donc, mais donc la, 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 la collaboration, elle, elle était. Euh, mais elle. elle elle était égale parce que, je veux dire, c'est, il était présent. Mais c'est moi, moi qui tenais la plume. Ça, il n'y avait pas moyen de faire... Enfin, c'était comme ça que, que ça se faisait. Donc... Mais pour beaucoup de choses, il me faisait confiance en tant que philosophe, quoi. Euh, par la suite d'ailleurs, euh, un des volumes de Cosmopolitique, je reviendrai consacré à lui, et il, il en a été très très heureux, et, mais il m'a demandé euh, je, Mais pourquoi vous, vous ne parlez pas de mes intérêts en philosophie Je lui ai dit Mais M. Prigogine, c'est parce que vous, êtes, vous me passionnez par. Le fait que ce que vous faites, vous le faites avec les contraintes de la physique. Et en physique, c'est là que, que pour moi c'est passionnant. Euh, la philosophie, euh, ça me passionne. Enfin, je sais que ça vous accompagne, mais c'est pas ça que je. Donc, c'était donc censé sur ça. Sa vraie passion, celle qui faisait que c'était quelqu'un d'exceptionnel, c'était en physique. C'est pas ses idées générales, même si elles étaient très, très. Euh, enfin très culturellement valable, mais ça ne me nourrissait pas. Quand, quand j'ai quitté le, le département de Prigogine, hein, euh, c'était euh, parce que je crois que j'avais appris ce qu'il me fallait en, de ce point de vue là, dans cet environnement là, et que je voulais essayer de mieux comprendre, de mieux comprendre comment aborder cette pluralité des sciences puisque le, 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 la chose n'était pas euh, soluble dans un département qui fabrique un type de science. J'avais appris des choses sur les modèles, etc. Enfin, j'avais appris plein de choses, mais c'était toujours centré autour d'une démarche euh, où les mathématiques jouent un rôle de Formulation constitutive de la situation. Euh, donc, qu'est-ce que c'est Comment comprendre la pluralité des sciences On peut pas le faire en général. Oui, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait en, en, en allant travailler après dans un département de sociologie euh, euh, où j'ai beaucoup appris. C'était une sociologie. Marxiste, je veux dire, j'ai beaucoup appris, mais là le saut était tellement grand que je pouvais pas. J'aime bien procéder par contraste, quoi. Euh, et, et là, c'était un saut énorme. Par contre, et ça c'était quand je travaillais à mi temps à Paris euh, euh, avec un ami d'ailleurs qui, qui qui est important dans cette histoire-là, euh, j'ai reçu un une lettre, une lettre étrange un dénommée Chertok que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam euh, et qui me disait euh, j'ai entendu euh, Prigogine euh, à la TV faire l'éloge de la multidisciplinarité ou dieu sait sais quoi euh, je me suis dit euh, il est très occupé euh, adressons-nous, et j'ai choisi de m'adresser à vous, vous ne savez certainement pas ce que l'hypnose, mais voilà. Et dès, dès les, à la suite du succès de la nouvelle alliance, je recevais des lettres d'illuminés assez souvent euh, qui, qui, savaient, qui avaient résolu un grand problème de l'univers, donc en général je ne répondais pas. Mais voilà m'a envoyé une seconde lettre et dans mon expérience, les illuminés n'écrivent pas deux fois. Et donc là, j'ai répondu. Et on a pris rendez-vous. J'ai été accompagnée avec cet ami Didier gilles euh, parce que j'avais pas envie de me. Enfin, je savais que sous son œil euh, sourcilleux, je ne me laisserais pas embobiner. <laughs> Qui sait euh, Mais on a été séduits tous les deux en fait, parce que le type avait des questions qui m'intéressaient énormément. C'était... Chertok, c'était... On a d'ailleurs écrit, euh, ça, a été, ça vient d'être réédité, Une vie de combat, sa biographie avec lui et Didier Gilles, euh, à la fin de cette aventure. Euh, C'est paru peu avant sa mort. Euh, mais il considérait parce qu'il avait aussi été résistant en France, euh, venant de, de Biélorussie, etc. Enfin, c'était une vie assez extraordinaire, mais il, il, il avait décidé de combattre pour l'hypnose, qui à l'époque était écrabouillée par euh, la doxa psychanalytique lacanienne. Euh, et il considérait que. Et il me posait comment ça se fait que l'hypnose a été pendant euh, un temps au moment où elle s'appelait magnétisme vu comme une science euh, révolutionnaire, et puis de nouveau, et puis euh, abandonnée, et puis René, euh, sous l'hypnose, de nouveau, ce sera la clé vers le psychisme, depuis, de nouveau abandonnée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, ben, Voilà une histoire qui ne pouvait se passer que dans ces sciences que je ne connaissais pas. Oui, il est question de, du psychisme et de la guérison. Et ça m'intéressait bien d'un peu mieux connaître parce que euh, les analystes, euh, eh bien, ils avaient un peu tendance à, à vouloir, euh, avec le, le pire des mauvais goûts, euh, comment dirais-je, euh, penser peut-être que la, la, la cure analytique se fait à coup de bifurcation ou alors que l'inconscient ignore la flèche du temps. Enfin, il, 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 ça me dégoûtait, mais je ne savais pas qui c'était ces gens. Enfin, je savais assez mal. Et les prendre par là, c'était d'une pierre deux coups. Comprendre d'où ils étaient nés, puisque quelque part, il y a eu un début d'histoire commune entre, à travers Freud, entre l'hypnose et, et, et la naissance de la psychanalyse. Euh, mais aussi les dégoûter. Si je m'intéresse à l'hypnose avec ce vieux fou de Chertok, je deviens infréquentable. Ça, ça a parfaitement réussi. <laughs> et donc, et donc j'ai commencé à travailler avec Chertok euh, sur cette histoire de l'hypnose. Et, et encore une fois, pas du tout sur un mode clinique. La clinique, c'était lui qui. Il était clinicien, mais il, était, il avait aussi une. Euh, une, comment dirais-je, culture historique extraordinaire. Euh, <coughs> euh, donc il me nourrissait de textes. <laughs> et, euh, mais toujours sur le mode de la problématisation, du qu « qu'est-ce qu qui est arrivé »« Qu'est-ce qui est arrivé ?» On a écrit ensemble « Le cœur et la raison qui », qui est, je crois, un bon livre, euh, même s'il n'a pas eu beaucoup de succès. Euh, et on a, et euh, à cette occasion-là, d'ailleurs, euh, j'avais donné une conférence qui avait été publiée euh, sur euh, qui, comment dirais-je, était aussi mon, ma première utilisation d'un concept vu de, euh, produ, proposé par Bruno Latour, mais euh, ça, ça, on y reviendra, ça avait déjà commencé qui s'appelait euh, boîte, boîte noire scientifique, Boîte noire professionnelle. Et c'est là que euh, Philippe Pignard, euh, avec qui j'ai depuis beaucoup travaillé, a décidé de fonder une espèce de petite collection qui s'appelle Les empêcheurs de penser en rond, qui a publié ce, ce tout petit opuscule, euh, comment dirais-je, sous le titre de La volonté de faire science. Et effectivement, j'essayais de montrer à quel point la clôture sur elle-même de la, de la psychanalyse euh, était différente de la clôture sur elle-même d'un résultat ou d'un domaine scientifique. Le type de succès était différent. Enfin, c'était déjà une analyse qui faisait intervenir des, des milieux et comment euh, et comment. Euh, le, le, personnage du, le personnage de Freud notamment, euh, qui euh, fonde, fonde ses prétentions sur, euh, sur sa clinique, n'avait rien à voir alors que ça, semblait, ça y ressemblait avec euh, la manière dont les expérimentateurs euh, articulent théorie et expérimentation donc c'était là où on était on était vraiment dans cette différence et il y a des ressemblances d'ailleurs Freud a voulu faire ressembler la, la pratique clinique à une espèce de laboratoire il y a, mais 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 il y a, il y a un gouffre qui s'ouvre entre les deux cette ressemblance cache euh, cache un, un gouffre de différence et et donc c'est cette différence pourquoi l'hypnose l'hypnose tout le temps déçu euh, des, 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 des espoirs de faire science qui ne lui convenaient pas donc décevant ça était euh, euh, comment dirais-je euh, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage euh, elle, elle était vidée de son sens il fallait plus ça devenait de bon objet ça devenait un mauvais objet parce qu'elle avait déçu. La, donc la, la, le rôle du faire science euh, était était de est, est devenu hein, ce que j'avais pas véritablement vu quand je travaillais avec Prigogine. Un physicien fait science par définition. Il est né là-dedans. Enfin, je veux dire, la, la première chose qu'il apprend, il est déjà en science et on n'en sort plus après. Euh, donc, mais là, euh, j'avais affaire à des disciplines qui luttaient. Pour obtenir ce statut scientifique. Et donc ça commençait, ça devenait beaucoup plus politique. Hein? Ça devenait beaucoup plus politique parce que c'était la question de, 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 de pratiques qui entendent euh, partager, en tout cas, approximer l'autorité que les sciences expérimentales ont, ont, ont en tant que telles. Quoi. Elles n'ont pas à lutter pour ça c'est ça, 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 une des différences c'est que c'est que elle, elle ne s'adresse qu'à des choses dont l'enjeu est est ce que ici je peux faire autorité tandis que d'autres sciences s'adressent à des problèmes qui intéressent tout le monde qu'est ce que c'est être malade qu'est ce que c'est penser qu'est ce que c'est souffrir ça intéresse tout le monde donc pour fabriquer ses propres questions il faut, d'autres manœuvres, enfin le faire science veut dire aussi écarter toutes les autres questions. Donc il y a une dimension de disqualification qui n'existe pas tellement en physique. En physique, mon exemple favori c'est le neutrino on a appris récemment, enfin récemment il y a quelques années, mais enfin que le neutrino avait une masse alors qu'on l'avait cru dépourvu de masse. Bon et eh bien ça ne gêne personne en dehors des physiciens. Et encore quelques physiciens. Donc ils n'ont pas de rivaux qui diraient j'ai ma propre idée sur le neutre. C'est eux qui ont créé le neutrino. Donc les, les vrais objets de la physique et de la chimie sont créés par des physiciens et des chimistes. Donc évidemment, ils n'ont pas à faire le vide autour d'eux. Euh, <laughs> ils ont plutôt à convaincre les autres que ce qu'ils font est intéressant. <laughs> Ça, euh, ça c'est l'autre problème. Enfin, donc j'abordais tout à coup, euh, j'ai appris à aborder la pluralité des sciences avec cette, euh, cette ambition de de, de de faire science comme l'un des, des points importants. Et puis euh, là-dessus, euh, j'ai rencontré dans, dans cette trajectoire avec Cherthoc j'ai rencontré Toby Nathan. Euh, et Toby Nathan, lui, justement, Chertok, il avait résolu ce problème de faire science avec euh, son humour. Non, lui, il, il pensait pas du tout que, que il pensait qu'une théorie, ben, ça fait partie de la suggestion et que donc, euh, et, et il avait donc beaucoup, beaucoup de. de, de de scepticisme envers toute interprétation psychanalytique. Quoi. Euh, mais ça n'allait pas plus loin. Ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce que c'est que cette, ce, ce, ce type de rapport C'était le rapport qui l'intéressait, le rapport hypnotique euh, et tout ce que ça permet. Et ça ça, ça, ça le fascinait, il en parlait très bien. Mais voilà que Tobin Nathan, c'était autre chose. To, Tobin Nathan était un... un Chertok était un résistant, ses combats c'était des combats de résistance, Nathan était plutôt un guerrier. Et euh, comment dirais-je, sa clinique était très très différente. Sa, son, son, ses, ses concepts, il les avait forgés d'abord dans une clinique qu'il qui avait progressivement compris devoir être collective. Avec des collaborateurs qui étaient censés être porteurs de de, de compréhension et de traditions différentes, c'est-à-dire pas euh, pas l'autorité de la psychanalyse, etc., mais dans mon pays on dit euh, on dit ça, euh, etc. Donc une polyphonie de de, de voix euh, et il soignait, enfin il s'adressait de préférence à des migrants euh, majoritairement à, à Africains, mais africains, maghrébins, etc., migrants, c'est-à-dire qui souffraient de quelque chose, mais qui avaient perdu leur rapport aux thérapies de leur pays d'origine, parce que ici c'était d'autres maladies et considéraient que c'était que c'était que, que que du coup, primo, ça ne marchait pas. Et Secondo, euh, comment dirais-je, c'était une entreprise, c'était un habit de pouvoir de, de déplacer. Et, et donc, ça m'intéressait beaucoup parce que cette dimension politique, c'était aussi euh, une dimension, au fond, à qui est l'autorité La théorie n'a pas d'autorité. Pour lui, bah, tous les guérisseurs avec qui il avait travaillé, qui avait ça, avaient des théories. Mais ces théories faisaient partie de leur pratique thérapeutique. Ça, c'était fait pour créer du matériel thérapeutique. Ce n'était pas fait pour définir ce dont souffrait le patient, c'était pour intervenir. C'était une autre chose tout à coup. Et ça voulait dire qu'effectivement, pour lui, euh, euh, il ne s'agissait pas de faire une théorie du psychisme. Si on voulait faire de la théorie ou faire de la science, il fallait faire de la science en prenant pour objet les différentes pratiques thérapeutiques, pas les malades, les praticiens, c'est les praticiens qui étaient intéressants. Qu'est-ce qu'ils font Comment ils font Comment ils s'y prennent Et de quoi ça témoigne Et donc, et c'était, c'était tout à fait euh, pour moi passionnant parce que voilà une dimension de science qui prenait des risques forts. Si je veux faire science, je ne dois pas essayer de comprendre de quoi euh, le psychisme de quelqu'un euh, je dois essayer de comprendre les artistes du psychisme de quelqu'un et ça ça m'allait ça m'allait vraiment très bien quoi parce que euh, ça, 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 ça dramatisait la non ressemblance entre les sciences expérimentales et du coup il y avait on retrouvait de l'inventivité au lieu que ce soit du mime euh, donc et, et d'autre part avec nathan prendre au sérieux euh, prendre au sérieux les théories des les théories de thérapeutes entre guillemets exotiques c'était prendre au sérieux les êtres c'était des commerces avec des êtres avec des djinns, avec des etc c'était tout un monde qu'il fallait prendre au sérieux et pourquoi donc on attend, et j'ai vu ça à l'œuvre, puisque je pouvais participer à certaines de ces séances, puisque c'est des séances collectives. Le point important de la séance, c'était quand, euh, tout à coup, euh, ceux qu'ils qu de, devaient traiter et qui venaient avec leur thérapeute et quelqu'un qui parlait leur langue et qui euh, médiait, etc., Changeaient quasiment de, 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 de comportement, c'est-à-dire que tout à coup, ils étaient à leur affaire. Et là, ça voulait dire que Nathan, avec l'aide de la polyphonie, avait touché le point où, où ça allait s'engager. Ils devenaient experts. Au lieu de, 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 de subir, euh, ils intervenaient et ils, en, ils rajoutaient, etc. Et à ce moment-là, ça voulait dire qu'on avait. le Terrain thérapeutique avait été créé qui permettait à ceux avec quoi ils étaient venus d'être vivants, actifs, et que c'est par là que ça allait passer. Donc, ce devenir expert du patient, ça, ça, ça devenait, et pour moi c'était très important parce que, bah, euh, évidemment, ça ne se pose pas au laboratoire, euh, euh, comment dirais-je, au, au laboratoire normal ce qu'il faut, c'est que, euh, que euh, la, la manipulation n'est pas fait ce qu'on appelle un artefact, c'est-à-dire quelque chose dont les réponses ne sont pas fiables, les résultats ne sont pas fiables. on, a, on est inter... enfin, sans le savoir, on a déterminé la réponse. non, non, il faut que ce qui, ce qui est interrogé soit capable de mettre la question en risque pas simplement réfuter, non, non, mais euh, soit capable d'endosser la question. Euh, dès qu'on a affaire à des humains, ou en éthologie, euh, à des, des, anim, des animaux qui, qui ont des mémoires, qui ont, euh, je ne parle, je parle pas d'une bactérie, mais l'éthologie, c'est un étos une manière de se comporter, eh bien, euh, le grand problème, c'est que quand se met en, en situation de poser une question, et, et Dieu sait que même si les analystes ne posent pas cette question et créent une situation qui est chargée de sens, eh bien, il, il faut prendre en compte que euh, ce à quoi on s'adresse entend et répond à la question ou au contexte. Il ne témoigne pas pour lui-même, il répond à... Euh, et, et, et là, chez Nathan, c'était parfaitement mise en scène, je veux dire. C'était le moment où, euh, le, où, où justement euh, les, les consultants se mettaient à, à, à apprécier, à dire oui, à, à ajouter, à, à poser des questions, que, que la relation était, était correcte, qu'on pouvait avancer, que la technique avait réussi. Enfin, que la technique... Euh, avait réussi à ne pas être un, un, un endoctrinement. Donc tout ça, je l'ai appris avec Nathan. Et ce que je savais aussi, c'est que euh, ce que Nathan ne supportait pas, et c'est lié euh, dans l'hypnose, pourquoi il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour l'hypnose, c'est que l'hypnose, bah, c'est une forme, on peut dire déjà, c'est une forme particulière de trans. Il y a beaucoup d'anthropologues qui ont euh, comment dirais-je euh, lier l'hypnose et la transe euh, qui, qui, qui habitent les, 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 les rituels, euh, les rituels entre guillemets exotiques. Et, euh, et pour lui ça ne lui suffisait pas pour Nathan. Non non, euh, peut-être que la transe existe, mais euh, ce qui est important, c'est l'être qui se manifeste à travers. En hypnose, il n'y a pas d'être. Donc pour lui, c'était une technique, l'hypnose était une technique pauvre parce qu'elle elle ne fait pas intervenir d'être. Mm -hmm. hein? et, et pour moi, ça c'était tout à fait intéressant parce que justement, <laughs> et ça ça, ça, ça va bientôt intervenir, j'étais en train de me rendre capable d'écrire euh, Cosmopolitique là, mais ça on y reviendra. Mais, euh, ok, mais les mathématiciens, s'il y a quelqu'un qui peut entrer en transe, ben, c'est les mathématiciens, ou bien c'est moi quand je suis en train d'écrire. La transe, je connais, elle n'est pas thérapeutique, mais je connais, j'y suis plus pour personne, etc. Euh, eh ben oui, mais les mathématiciens ont des êtres. Ils ont ce problème qui les prend. Moi aussi, quand je, je suis. Et donc, par exemple, quand si j'écris un texte, les choses sérieuses commencent quand je sais que je ne suis pas tout seul. Il y a ce point de bascule où le texte est en train d'être là entière et me force à penser. Je ne suis pas aux commandes, c'est pas moi. Là, je ne suis plus celle qui décide ce que ce texte sera. Il a son mot à dire et c'est vraiment le moment où ça commence. Dans un article, c'est trop court, en général, c'est beaucoup plus intentionnel. Mais l'écriture d'un livre, c'est une aventure où il y a ce moment où la relation change. Et donc, et donc c est, c est, pour moi, c est, c est, cette nécessité des êtres, c'est devenu quelque chose qui n'était plus du tout obje, euh, exotique. Et il y a un livre que, que j'ai écrit à la, euh, après la mort des Chartoc, euh, et quand j'avais cessé d'ailleurs de travailler avec Nathan, euh, mais où je fais un peu le point sur tout ça, c'est l'hypnose entre magie et science, et ça se termine comme ça, ça se, et ça se termine avec Whitehead. Euh, ça se termine euh, en disant « Et si nous, nous étions le peuple des idées ?» Parce que les idées, ça nous fait penser, ça nous métamorphose. Mais elles sont redoutables, les idées. Et, et je citais un... un tout tout convergeait, enfin, les choses convergent. Les choses se sont mises à converger, et c'est justement là où on n'est plus aux commandes. Euh, parce que j'avais retrouvé un, un article, un, une phrase de Whitehead où il dit... Euh, Platon, euh, comment dirais-je, pour Platon, les idées sont ce qui rend l'âme humaine vivante, etc. Euh, il l'écrit dans le banquet, mais il aurait dû écrire évidemment un autre dialogue qui aurait suivi les banquets et qui se serait appelé Les Furies pour parler des horreurs qui peuvent, qui rôdent dans, quand une idée est mal accueillie. Une réception imparfaite. Et donc, ça voulait dire, oui, oui, nous avons des êtres et ils sont dangereux et nous ne nous sommes pas méfiés. Ce qui était encore une de ces manières de, de comment dirais-je, d'enrichir toute cette question qui me poursuivait mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monde